La neuvaine à Marie qui défait les nœuds, troisième jour. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau chapelet. Aujourd'hui, nous allons prier les mystères glorieux en intégrant toujours cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds pour demander à Dieu par Marie de continuer de défaire les nœuds de nos vies et les nœuds du monde entier en cette période qui est difficile pour beaucoup d'entre nous et collectivement pour toute l'humanité. Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous qui découvrez la chaîne et qui participez peut-être pour la première fois à ce chapelet. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner avec la cloche juste en dessous de la vidéo pour rejoindre les milliers de priants qui sont abonnés à la chaîne YouTube avec Marie et qui se confient à elle et qui confient ce monde à sa prière et à son intercession. Je vous invite chacun chacune dès maintenant à liker la vidéo avec le petit pouce bleu et à dire dans le chat ou en commentaire quel est votre prénom, d'où vous venez, pour se connaître un petit peu et puis pouvoir échanger nos intentions dans le chat et dans les commentaires. N'hésitez pas à le faire tout au long de ce chapelet avec Marie qui défait les nœuds. Nous lui confions et nous nous confions les uns aux autres aussi, les nœuds de nos vies et les nœuds du monde. Moi-même, je m'appelle Christophe, j'habite en France, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, et je me réjouis encore aujourd'hui de prier avec vous sur cette chaîne. Merci de votre présence, merci d'être là, d'intervenir dans le chat ou en commentaire, ou alors merci d'être là tout simplement par votre présence discrète. On va confier toutes les intentions, qui que vous soyez. Pour que cette prière à Marie qui défait les nœuds soit efficace, je voudrais vous encourager à confier un nœud précis, un nœud concret, un nœud qui est vraiment là dans votre vie et qui handicape votre vie. Pour vous y aider, vous pouvez l'écrire dans le chat ou en commentaire si vous le souhaitez, si ce n'est pas quelque chose de trop intime. De mon côté, moi je prie pour que Dieu dénoue le nœud de l'incrédulité pour que les pécheurs se convertissent et que le monde se tourne vers Dieu en ce temps d'épreuve et puisse enfin recevoir sa miséricorde que Dieu nous donne en telle abondance. Un mot si vous découvrez aujourd'hui la neuvaine en ce troisième jour. Ça n'est pas grave, je vous invite à prier, vous êtes les bienvenus, priez avec nous et vous pouvez rattraper les jours précédents plus tard. Les liens sont dans la description de la vidéo. Nous commençons notre chapelet des mystères glorieux en ce troisième jour de la neuvaine avec Marie qui défait les nœuds. Et nous saluons le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et en cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds, nous disons l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Père bien-aimé, nous t'offrons ce chapelet et cette neuvaine à Marie qui défait les nœuds en l'honneur du cœur de notre Mère, la Vierge Marie. Nous te confions toutes ses intentions, nous te confions aussi notre pape François, toutes ses intentions et les intentions de toute l'Église. Nous te confions aussi chacun de nos cœurs. Nous te remettons ces nœuds qui nous empêchent d'avancer à ta suite, Seigneur. Te demandons de nous libérer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer. Conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Premier mystère glorieux. Seigneur Jésus, tu es ressuscité d'entre les morts. De l'Évangile selon saint Matthieu. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau, tout émue et pleine de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Merci Seigneur pour la joie qui habite la parole de Dieu, la joie qui jaillit de cette parole quand nous lisons ce texte de ta résurrection. Seigneur, cette joie est communicative. Nous te demandons la grâce de savoir communiquer la joie de ta résurrection autour de nous, de témoigner d'un cœur ardent, mais aussi d'un cœur prudent, d'un cœur rempli de sagesse avec les bonnes paroles. Nous te demandons de savoir témoigner de notre foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère glorieux. Seigneur Jésus, tu es élevé aux cieux. De l'Évangile selon saint Matthieu. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin de l'âge. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce grand envoi en mission. Nous te demandons, Jésus, que le monde puisse ouvrir ses oreilles pour entendre ta parole. Oui, de toutes les nations faites des disciples. Seigneur, dans ce mystère, nous voulons te confier d'une façon toute particulière notre pays, chacun de nos pays. Peut-être nous pouvons indiquer ce pays dans le chat ou en commentaire de la vidéo. Seigneur, ce pays, tu veux en faire ton disciple et ton disciple bien-aimé. Nous te confions toutes les structures de gouvernement de notre pays, te demandant la grâce de la conversion pour tous nos gouvernants, pour toute la classe politique, aussi pour tous les puissants, Seigneur. Nous te demandons cette grâce de l'humilité et de l'écoute de ta parole. Et que tous se fassent baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se tenaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit-Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, dans ce mystère d'une façon toute particulière. Viens, Esprit-Saint, d'abord guérir, d'abord libérer, d'abord restaurer ce qui doit être restauré en nous. Libère Esprit-Saint, dénoue tous ces nœuds qui nous empêchent d'avancer pleinement dans la voie de l'amour. Viens Esprit-Saint, remplir aussi nos cœurs de ce feu pour évangéliser le monde dans un souffle audacieux. Viens Esprit-Saint, nous t'appelons, nous t'attendons, viens en nos cœurs, nous avons besoin de toi Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Et nous disons la prière de ce troisième jour de la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Marie, Mère médiatrice, Reine du ciel, toi dont les mains reçoivent et distribuent toutes les richesses du roi, tourne vers moi tes yeux miséricordieux. Je dépose dans tes mains saintes ce nœud de ma vie, toute la rancune, tout le ressentiment dont il est source. Je te demande pardon, Dieu Père, pour mes fautes. Aide-moi maintenant à pardonner à toutes les personnes qui, consciemment ou inconsciemment, ont provoqué ce nœud. C'est dans la mesure de mon abandon que tu pourras le défaire. Devant toi, Mère bien-aimée, et au nom de ton Fils Jésus, mon Sauveur, qui a été si offensé et qui a su pardonner, je pardonne maintenant à ces personnes et je me pardonne aussi pour toujours. Merci, Marie qui défait les nœuds, de défaire dans mon cœur le nœud de la rancune et le nœud que je te présente maintenant. Amen. Marie qui défait les nœuds,
prie pour moi. Celui qui veut des grâces se tourne vers Marie. Quatrième mystère glorieux. Vierge Marie, tu es élevée aux cieux, corps et âme, dans ton Assomption. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Seigneur, dans ce mystère et par l'intercession de Marie, malgré ce nœud qui préoccupe ma vie, et qui n'est peut-être pas encore dénoué, Seigneur, je veux élever vers toi mon action de grâce, toute ma gratitude. Seigneur, je sais que quand je te rends grâce, cela attire ta grâce. Alors Seigneur, je veux te dire merci à l'école de Marie dans son Magnificat. Merci pour la vie, merci pour l'air que je respire, merci pour la nourriture que je mange, merci pour les personnes qui m'entourent et qui sont pleines de bienveillance. Merci Seigneur d'avoir reçu le baptême, merci, merci. Nous avons beaucoup de raisons de rendre grâce, frères et sœurs. Nous pouvons en indiquer quelques-unes maintenant dans le chat ou en commentaire de la vidéo. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer. Conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cinquième mystère glorieux. Vierge Marie, tu es couronnée au ciel. Tu es la reine des anges, la reine des saints, la reine des cieux, la reine de l'univers, notre reine, la reine de nos cœurs. Du livre de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Vierge Sainte, dans ce mystère, nous voudrions que ta royauté s'étende sur le monde, et spécialement en cette période de crise, en cette période où beaucoup souffrent de la maladie, où beaucoup souffrent de la famine, où beaucoup souffrent de la violence. Marie, nous te demandons d'étendre ton règne d'amour sur le monde, et nous savons que ce règne d'amour n'est autre que le règne du cœur de Jésus lui-même. Nous voulons nous confier et confier le monde entier à vos deux cœurs, unis dans l'Esprit Saint. Nous vous remettons nos vies, nous vous remettons les nœuds qui habitent encore nos cœurs et nous empêchent d'être pleinement donnés à Dieu et donnés aux autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Et pour finir ce chapelet des mystères glorieux, nous disons la prière finale de la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur. Tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud de ma vie. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée. Tu es la forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueille mon appel. Garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi. Avant de conclure, merci, chers amis, d'avoir participé à cette prière de la neuvaine à Marie qui défait les nœuds et aujourd'hui les mystères glorieux du chapelet. Si vous avez apprécié, cliquez sur le bouton like juste en dessous de la vidéo. Merci par avance et n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Si vous nous avez rejoints en cours de ce chapelet, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner avec la cloche pour rejoindre plusieurs milliers de priants. Pour vous remercier d'avoir participé à cette prière, je voudrais vous offrir mon cadeau de bienvenue. C'est une formation offerte pour vous aider à prier avec 5 clés essentielles et grandir dans une prière plus efficace. Pour en bénéficier, c'est facile. Cliquez dans la description, ça va vous rediriger vers une page où il suffit de laisser votre prénom, votre email et vous recevrez ce cadeau directement dans votre boîte mail. J'ai mis aussi le lien dans les commentaires en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez y accéder facilement. Demain, si vous le voulez bien, nous pourrons continuer à prier ensemble cette neuvaine avec le 4e jour. Je vous invite donc au chapelet à 17h. Nous continuerons avec Marie qui défait les nœuds à confier les nœuds de nos vies et les nœuds du monde entier qui en a grand besoin. Pour finir, je vous invite à soutenir ma chaîne et à m'aider, si vous le voulez bien, par votre participation aux frais engagés en toute liberté, selon vos possibilités. Vous me permettez ainsi de poursuivre cette mission de prière. Alors un grand, grand merci d'avance. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ou directement sur mon site avecmarie.fr. Et je voudrais dire ici toute ma gratitude pour ceux d'entre vous qui me soutiennent. Ça me touche profondément et je vous garde dans mes prières d'une façon toute spéciale. C'est le moment de conclure notre prière
et nous nous consacrons à Jésus par le cœur immaculé de Marie. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions, à ses œuvres. Je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous dis à demain et bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.